Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour le live reaction sur le troisième trailer du film Broly, suivi ensuite d'un petit avis à chaud qui devrait pas prendre plus de 2-3 minutes, le but c'est juste de vous donner mes impressions directement, je ferai de toute façon une vidéo un peu plus poussée où je ferai une véritable analyse si je puis dire de toutes les images au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais là ici on est dans l'instant présent, on est à chaud. On va profiter de ce joli trailer et j'ai pas envie d'en parler plus parce que il vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo et je vais en profiter maintenant. Alors c'est parti. Oh le son direct quoi. Oh le Goku en CG dans. Oh. Tellement stylé. Oh le cri! Le qui comme par la bouche! Oh la musique, trop stylée! Pim! Oula le Vegeta, ça va lui faire bizarre! Bouh! Goku! Oh non, oui, sérieux, c'est pas possible! Il te fout de ma gueule là, non? On peut pas participer quand même! Ah! Les Dragon Ball à nouveau! Yeah! Pouh, oh là! Oh la puissance destructrice quoi! Oh, il est trop beau ce Kikoa! Oh non! Oh non, il y a ça derrière, mon dieu de la CGI! On se croirait sur Fighter Z là! Oh la fin décevante! Oh putain! Oh c'est trop beau! C'est trop beau! Bon les gars, petit avis à chaud, mais je vais faire ça rapidement parce que là, j'ai fait dans mon caleçon, donc il va falloir que j'aille le changer. Mais honnêtement, à part 2-3 scènes, c'était quand même splendide. Hein. Si on enlève là le début, où on voit le Goku que je trouve pas terrible du tout, tu sens la CGI, et la fin, là, c'est quand même dommage de finir sur sur ce Goku Vegeta qui aurait pu être tellement stylé, tellement stylé. Et à la place, bah, ils nous mettent un truc en CGI. Là, vraiment, je sais pas pour vous, hein, mais tu prends cette scène-là, tu me dis qu'elle est tirée de Fighter Z, je crois. Vraiment, clairement. Tu sens le truc fait par image de synthèse, là, alors que juste après, tu as l'image du Broly qui est juste le truc le plus beau que j'ai jamais vu dans Dragon Ball. Clairement, le Broly full power, comme c'est maintenant qu'il l'appelle, magnifique, magnifique. On a vu aussi qu'il y avait les nanas, l'armée de Freezer qui avait récolté les Dragon Balls, ce qui veut dire que visiblement, le synopsis qu'on avait eu en Amérique du Sud, là je me rappelle plus de qui c'était, et ben il est peut-être vrai, hein, puisque visiblement là ils ont piqué les Dragon Ball tout simplement. On voit à un moment donné Beerus qui est posé dans son fauteuil, je pense que lui il va pas servir à grand chose. Par contre, on voit Whis qui est sur le champ de bataille. Il est sur le champ de bataille. Et là ça me fait vraiment peur, parce que si jamais on le fait participer, on va encore avoir droit à un Deus Ex Machina, parce que Broly va pas perdre contre Whis. Donc la seule chose qui pourrait se passer, c'est que Whis le mette en PLS en un petit coup comme ça quoi. Mais les amis, je pense que c'est du troll. Je pense qu'ils ont fait ça juste pour nous induire en erreur, et que le Whis, peut-être qu'il va venir, hein, et qu'il va vouloir regarder le combat, ou tout simplement observer les progrès de Goku et Vegeta, c'est tout à fait possible, après tout, c'est leur maître, enfin, ce sont ses élèves, donc il a peut-être envie de voir à quel point ils ont progressé, et ça justifierait le fait qu'il aille sur place. Mais comme je pense que, même si c'est vrai que le devoir de réserve et de neutralité, ça fait longtemps qu'il l'a mis aux oubliettes, je pense qu'il ne participera pas, et que tous les fantasmes des gens qui s'imaginaient déjà un combat entre Whis et Beerus, enfin Whis et Broly, non les gars, rêvez pas. Autant Beerus et Broly, je veux bien, ça me paraît plausible, hein, et je continue à l'espérer, même si j'y crois de moins en moins, autant Whis, non, impossible. Impossible que Whis lève la main sur Broly, ça me paraît évident. Par contre, à côté de ça, encore une fois, le Kikoa par la bouche de Broly, j'avais l'impression que c'était la voix de Vegeta, que c'était le même Siou, j'imagine que non, hein. Mais là, quand on entend le cri, on a vraiment l'impression de Vegeta quand il se vénère, qui fait ah, c'était pareil, là, avec le Kikoa par la bouche, c'était tellement classe, vraiment. Mais il y a tellement d'ennemis qui font ça, mais ça fait longtemps que je l'avais pas vu, donc ça fait plaisir de le revoir. Et puis le Kikoa qui fait, là, avec le truc immense, là, avec les effets dessus, je crois que j'ai jamais vu de ma vie un Kikoa aussi beau dans Dragon Ball. C'était... Ça va être des combats magnifiques, ça paraît évident. Et je pense que c'est ce Kikoa-là qui va faire en sorte que le terrain enneigé, là, il ne le soit plus. J'imagine bien qu'ils vont réussir peut-être à le freiner, et que derrière, ben, la neige, elle va fondre, ou que ça va réveiller un volcan, puisqu'il y a des montagnes derrière. Ça se trouve, il y en a une, c'est un volcan, et que du coup, le paysage super joli qu'il y avait avant, ben, ça devienne un truc apocalyptique, parce que je ne les imagine pas se déplacer entre deux zones. Pour moi, c'est le combat a lieu
dans le même endroit, et c'est juste que la zone change du tout au tout. En tout cas, moi, je vais pas continuer plus dans le truc, là, c'était vraiment la vie à chaud, et la vie à chaud, c'est très simple, c'est magnifique, c'est super, ça m'a hypé de ouf, sauf 2-3 scènes qui me font un peu redescendre, et que j'espère ils retoucheront à partir de la sortie, enfin, avant la sortie, parce que là, voilà, il y avait des trucs un petit peu borderline. La CGI, c'est bien, ça peut être très utile, mais il faut utiliser à bon escient. Et là, ben, des deux images que j'ai vues, je parle pas de celle où il fuit comme ça, où on, parce que je trouve que dès qu'on parle de trucs animés, dès qu'on parle de trucs où la caméra bouge et tout, c'est très bien de faire de la CGI, mais le plan fixe avec Goku Vegeta qui font un Kikoa, non. Et le plan du début où Goku se lève comme ça, là, non plus. Là, ça, c'était très mauvaise idée. Mais tout le reste, chapeau l'artiste, ainsi que la musique, encore une fois, c'est pas du tout mon style, mais elle était très bien choisie. J'espère que, bon, je vais pas dire que j'espère qu'elle sera dans le film, parce que ça dépend du contexte comment elle est amenée, mais en tout cas, là, elle collait parfaitement avec le trailer. C'était super cool. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que ce live reaction vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me donner votre avis également, hein, sur ce trailer, tout simplement. Moi, de toute façon, je pense que d'ici moins de 24 heures, on va dire, ou alors 24 heures, je ferai une analyse un peu plus poussée où je prendrai les images. Enfin, pas image par image, hein, sinon ça va être long, mais je prendrai scène par scène pour donner mon opinion et tout, essayer de les classer, de vous décortiquer tout ça, tout simplement, histoire qu'on puisse en ressortir certaines choses, peut-être pour prévoir ce qui va se passer dans le film, ou tout simplement pour le plaisir, d'analyser et décortiquer tout ce qui est Dragon Ball, hein, ça c'est notre truc, hein, on n'est pas sur cette vidéo-là pour rien, je suis pas là à me filmer pour rien, et vous n'êtes pas en train de me regarder pour autre chose que parce que vous avez envie de décortiquer tout ça, et de donner votre avis en commentaire, et n'hésitez pas à le faire. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, et ben, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !